Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va venir avec une revue sur une nouvelle palette de l'édition de Noël de Too Faced. Et puis c'est celle-ci avec les petits oursons comme les bonbons. Et c'est une palette à l'odeur de cannelle. Comme vous voyez, quand on ouvre la palette, il y a un grand miroir avec le petit nounours trop trop chou, ainsi que quelques couleurs qui sont un petit peu dans les tons, je dirais rose, voilà. Et il y a 4 teintes irisées et 4 teintes mates, ainsi qu'un voilà, je dirais un petit blush. Et cette palette, je l'ai reçue à Noël parce qu'en fait, avec le parrain de la petite, on a fait voilà, on a fait les 4 hein, comme une espèce d'ami imaginaire, et puis on a tiré les noms et prénoms des personnes, et puis du coup on m'a offert ceci. Et en fait on m'a offert le petit kit de Noël qui comprenait donc du coup la palette, le rouge à lèvres aussi, voilà, de l'édition. Donc voilà, c'est une espèce de rouge, un rouge foncé qui est super sympa. Et puis du coup la teinte, c'est le Cinnamon Beer, et avec venait une pochette un peu rouge transparent, trop jolie. Super pour faire la ASMR. Alors voilà, et elle est trop belle. Après je vais plus l'utiliser pour la déco de ma coiffeuse qu'autre chose, mais voilà, si un jour j'ai envie de l'utiliser, elle est assez sympa. Donc du coup là j'ai plus qu'à faire donc les yeux et les lèvres, et tout le teint il est fait hein. J'ai quand même aussi mis un blush, bronzer, etc. On va juste finir par mettre l'highlighter juste après. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, pour faire le creux externe de mon œil, je vais venir avec le Red Hot, que c'est le rouge qui est ici. Et je vais m'aider du miroir de la palette. Pour ma paupière mobile, avant de venir appliquer une couleur irisée, je vais venir avec une couleur mate, et ce sera le Cereal Milk qui est celui-ci. Et ensuite, j'ai envie d'appliquer la couleur du blush, le Cinnamon Beer, sur ma paupière mobile. Et pour le coin interne de l'œil, vraiment dans le tout petit coin, je vais revenir avec le Cereal Milk et appliquer une petite quantité qui justement va permettre d'éliminer un peu plus le regard. Je vais venir avec crayon noir mascara et je reviens tout de suite après. Voilà, du coup pour les yeux c'est terminé, on va venir ensuite avec le rouge à lèvres. Et pour ça, je vais mettre des petits miroirs. Mon petit miroir Hello Kitty. Et du coup, voilà le résultat final du maquillage. En tout cas, moi j'aime énormément justement cette petite touche de rouge sur les yeux. Qui va avec les lèvres. J'avais pas envie de faire tout rouge, enfin voilà, j'avais pas envie de faire quelque chose de très extravagant. Je veux vraiment juste un petit soupçon. Et pour la palette, j'aime beaucoup parce que il n'y a aucune chute. Je sais pas si vous avez remarqué, à aucun moment j'ai nettoyé en dessous des yeux ni rien du tout, donc j'ai eu aucune chute. Et oui, les couleurs elles sont très sympas. Après je les ai spécialement pas toutes testées, mais voilà, en tout cas je trouve que c'est une bonne palette hein, si vous voulez vous amuser avec, si vous aimez bien les tons un petit peu rouge rosé, c'est super. Et pour le rouge à lèvres pareil hein, vous savez que j'aime beaucoup les melted matte, et j'en ai une petite collection là derrière. Et en fait, en voulant ranger mes miniatures, donc les tailles voyage, je me suis aperçue que j'avais celui-ci en tout petit puis que j'avais pas forcément testé, mais voilà, maintenant je l'ai en grand, ouais. Je suis très contente.
Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye !